Sangoy, l'Argentin, attention, ça traîne et ça fait but. Aïe, 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 aïe. David Aspina, très mal lu la trajectoire du ballon. Et ça fait but pour cette équipe de l'Apollon Limassol. Aïe, 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 le scénario est dur là. Ah, c'est vraiment dommage parce que l'initiative avait très bien commencé cette mi-temps et voilà, un coup de pied arrêté. Toujours difficile à négocier. Et ce ballon l'était parce que c'est vrai qu'il est bien frappé, mais on va revoir ça ralenti. Et pour vous donner l'identité du joueur qui a marqué, alors est-ce qu'il est attribué à Sangoy? Est-ce qu'il y a eu un joueur chypriote qui a touché le ballon? Non, le rebond. Ah là, c'est et c'est Ospina qui avait mal lu la trajectoire du ballon. Oh, que c'est dur! Alors Bruno Valanconi là, vous l'ancien gardien de but de l'OGC Nice. Ouais, malheureusement c'est vrai que David, on voit pas le début de l'action mais c'était très très bien joué et là le centre est parfait, la reprise est parfaite. Malheureusement les défenseurs niçois en retard. Le centre de l'Espagnol pour l'Argentin, ça fait 2-0.